Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Fortnite Battle Royale complètement épique puisque vous allez vous taper des barres. Je n'ai jamais fail comme ça, vous allez le voir, c'est totalement épique et j'espère que vous allez vous régaler. On est parti, ça y est, on drop, let's go. Je pense qu'on va partir sur un petit anarchy. Il y a une personne en face de moi, je pense que je vais pouvoir dropper à la maison à loot. On va se déplacer délicatement avec le parachute. J'espère que j'aurai le coffre, il n'y a pas de coffre. Il a déjà récupéré une arme, je crois. Alors, on va se ok, nickel, une AR, ça c'est bon, des munitions, c'est nickel, impeccable. On va chercher un petit peu ici. Et 2-1, ça c'est impeccable. Allez, le deuxième, un petit shotgun. On va commencer à siquer tout doucement. Une petite popo qui fait extrêmement plaisir. On va la ramasser. Nous allons consommer ce délicieux nectar. Et c'est parti. Donc j'ai un shotgun. Ça tape un petit peu autour. On va essayer d'aller prendre le contact vite fait. Tac. On va fermer ça. On va aller récupérer le coffre. Très très important. Et du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok. Nickel. Et de 1. C'est pas celui-là que je voulais avoir. C'est l'autre. Et l'autre, il s'en sort avec... pas grand chose. Comme d'habitude, le skin rapace sur moi. Je suis prêt. On va aller grenader un petit peu tout ça. Ça fait plaisir. Hop. Ça ne passe pas. Dommage, la grenade qui rebondit sur le toit. Je ne sais pas si elle l'a touché ou pas. Un sniper épique. God damn. Je ne sais même pas si c'est épique ou si ça se dit rare ou je sais pas. En tout cas, voilà, c'est pas légendaire. Violet, déjà, c'est déjà très très bien. Allez, c'est parti, on va essayer d'aller récupérer notre dernier là. Je sais pas exactement où il est parti, mais ça va se faire. On part déjà sur un petit double kill, ça fait extrêmement plaisir. On va essayer d'aller chercher un petit peu plus que ça sur ce petit champ fatal. Et où es-tu, mon petit? Caché dans les champs de salade, caché quelque part? Dis-moi, explique-moi tout. Là, là, il y en a un. J'ai complètement fail ma balle. On va essayer d'aller le récupérer. Oh, wow. Derrière, boum, mort. C'est sûrement celui-là qu'on cherchait. C'est parti, le dernier, il doit peut-être être dans la maison. Je sais pas, j'ai encore du shield, il y en a un derrière. Au niveau de la grange, je l'ai vu là-bas. Je vais essayer d'aller chercher celui dans la maison. Il y a un piège qui a été mis. Je sais pas trop comment faire du coup. On va regarder un petit peu au-dessus pour éviter de se prendre des pièges. Parce que ça, souvent, ça m'arrive en off hein. Genre, je prends des... oh, je prends des pièges dans la tête. Alors, boum, deux coups de shotgun. Ils sont, hey, ils sont en train de team up ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Bah, on va greux hein. On va greux, c'est parti. On va essayer de se dégager un petit peu tout ça. Là, il y en a un. On va l'attendre, on va l'attendre, on va l'attendre. Il faut décaler. Hop, lui, il est mort. Nickel, impeccable. Et le deuxième qui arrive. Boum, 150. Il est mort aussi. Impeccable. Nickel, ça se passe super bien. C'est un début de partie ultra agressif. 5 kills. On va essayer d'aller chercher le sixième. J'ai entendu que ça tirait à côté. Je sais pas. Là, dans la grange, toujours dans la grange. Pourquoi j'ai tiré au sniper? J'ai pas fait exprès. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Attention, je vais mourir. Oh, nickel, ok, ouf, ça passe. Et il a une scar. Il m'a pas buté à la scar, il m'a laissé 30 HP le salaud. 30 HP il m'a laissé. Donc je vais ramasser les bandages, ensuite je vais pouvoir équiper la scar à la place de mon AR grise. On va se soigner un petit peu. Je me suis fait full shield de nouveau à chaque fois. Je me fais exploser le shield et je suis pauvre en munitions, je suis pauvre en ressources, j'ai vraiment pas grand chose. On arrive sur une zone Salty Springs. Ça va faire mal parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui spawn à Salty Springs. Ça se casse la bouche en début de partie. Donc je pense que peut-être, si j'ai un petit peu de chance, quelques bambinos qui vont se balader un petit peu. On est déjà plus que 35. Ça descend extrêmement vite. Je la sens bien, celle-là. Ça doit probablement être la game du top 1. Celle que je vous promets depuis longtemps. Toutes les games que je fais en live, j'arrive systématiquement à vous sortir de jolis top 1. Et quand je fais... oh, ici, alors attention... hop, touché, je lui ai orteil shot. Allez, c'est parti. C'est pour tous les top 1 que j'ai raté en live, pour tous les top 1 que j'aurais voulu faire en live, tous les top 1 que j'aurais dû faire en live, tout simplement. Cette fois-ci, c'est pour vous, les gars. On va essayer d'aller le chercher. Let's go. Je peux pas build, je peux pas build. Il est descendu. Nickel. Je pense que à ce stade-là, vous pouvez vous permettre de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Là, c'est une bonne game, 27 encore en vie, 7 petits kills. Let's go, les gars. Let's go, les gars. Avec un bon petit build, au moins j'ai 100 HP de nouveau, j'ai des bandages, j'ai mes 4 petits greux, tout va bien. On va continuer à se balader. Alors, est-ce qu'il y a... oh, un petit shotgun bleu. Un petit shotgun bleu. Si tu pouvais éviter de bugger et de me deal du 6 de dégâts contre certains ennemis, je serais agréablement surpris. Oh, un buisson. Oula, oula, oula. J'ai raté. Close. Close one. Close one. J'ai échappé de très peu à la mort. Et ce que je fais, c'est encore plus dangereux puisque je suis en train de me soigner.
au milieu de la pampa, sans construction autour, c'est chaud. Mais j'ai quelques balles maintenant. J'ai quelques balles de shotgun, j'ai quelques balles de scar, j'ai quelques balles de sniper. On est plutôt bon. Hop, on va récupérer les bandages, il n'y en a qu'un seul. Et du coup, je vais pouvoir reprendre ma route vers Salty Springs. 8 petits kills, full fight sur cette game. J'espère que c'est ça que vous kiffez, full fight sur cette game. En tout cas, je cherche. C'est dommage que j'en croise pas plus, mais je cherche énormément et j'en veux toujours plus. La maison a été faite, mais peut-être mal. J'ai encore des bandages à récupérer ici. Un stack de 5, tu fais bien plaisir. 13 petits bandages. And let's go, boys. Là, il n'y a rien. La maison, c'est clair. Il n'y a rien. Ok, très bien. Si, c'est un joueur que j'ai vu. Attends, on va aller voir. On va aller se le chercher. En espérant que ce soit vraiment un joueur que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Allez, let's go. Ouh. Le petit one-shot qui passe. Il faut que je pense à lever mon viseur un tout petit peu plus haut. Parce que je les tape trop bas, les mecs. Et je pense qu'il voulait garder sa potion pour la fin de partie. Et c'est triste. Parce qu'il y a un requin qui est passé par là. Donc, je vais lui aspirer. Alors, double shield. Plus grosse popo, ça va faire du 100 d'armure. Là, on se met ultra méga bien. Ok, good. And here I have the big truce. On va se trousser la gueule vite fait. Il y a un joueur là-bas. Allez, recharge. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Il m'a pas vu, je sais pas s'il m'a vu. Je sais pas s'il m'a pas vu. Hop. Putain, c'est passé juste à côté. J'aurais tellement pu lui mettre dans la tête celle-là. Je suis triste. On va essayer d'aller se le chercher. De toute façon, j'ai toujours la trousse sur moi. Il nous a pas vu, il nous a pas vu. Putain, mais c'est insane. Arrête de bouger, gros. Tac, 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 tac. Ça passe pas, j'arrive pas à la rentrer. Ok, nickel. Lui, il était vraiment très lit. Il avait peut-être pas de quoi se soigner, je sais pas. Et du coup, j'ai toujours encore une grande popo sur moi. J'avais pas vu. J'ai toujours une grosse popo. C'est nickel, impeccable. 10 kills, top 16. La grosse game qui s'annonce. Et ça fait le deuxième Bambi qu'on croise, je crois. Donc un petit peu léger. Ça tire côté sud. On va quand même commencer à faire attention. Et là, il n'y a vraiment pas grand chose. Quelques petites ressources tranquilles, pépère détendu, mais rien de significatif qui pourrait changer la, wow, 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 la game. Monsieur. Non, mais. Eh, j'arrive pas à les rentrer. J'arrive pas. J'arrive pas à rentrer mes tirs. Allez, hey, let's go. On va aller le cycle, bonhomme. Où il est passé? Il se cache peut-être là derrière, juste en dessous. Monsieur? Non, négatif. Là, juste là. God damn. Oh, 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 oh. Un petit peu de potato, monsieur White Shark. Vous ferez attention à vous mettre en clair, à vous mettre au clair sur cette sensibilité fortniteienne. Là, va falloir arrêter de déconner tout doucement. Alors, est-ce que je me shield? Ouais, je vais prendre le shield. Comme ça, je peux ramasser les mini potions. Ça me fera toujours 50 à récupérer. Il n'en a qu'une seule. Alors du coup, peut-être que je vais aller récupérer les autres mini-popos qui sont là au-dessus pour jouer mon top 10. Parce que là, on rentre dans le top 10 quand même. Tout simplement, c'est non négligeable. Non négligeable, les gars. Oh, tu veux loot? Ok, 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 ok. Putain, 15, je l'ai mis. Putain, mais arrête de bouger! Putain, toujours plus haut. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Non, j'arrive pas à lui rentrer. Reload, 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 reload. Oh, nice. J'ai un peu transpiré sur celle-là, je dois avouer. Il faut absolument que j'arrive à mettre ma trousse. On va faire gaffe aux hauteurs parce que si je me fais prendre de là-haut, je suis vraiment pas bien. Danse un petit peu la Macarena avec tes pieds de canard. Tu fais des chassés croisés. On va se mettre deux petits shields, ça fait extrêmement plaisir. One. And the other one. Let's go, let's do this. Et ouais, c'est bon, du coup c'est good. On va peut-être récupérer le tremplin, on va peut-être tout prendre. Ok, impeccable. Et j'ai juste allé récupérer les ressources parce que nous n'en avons jamais assez. Et du coup, 400 briques, 359 de bois, on commence à être bien. On va récupérer les bandages, on va tout récupérer puisque maintenant du coup, bah, j'ai plus de trousse, hein, tout simplement. Donc, et puis, on va aller se rapprocher de la nouvelle zone, tout simplement la nouvelle zone de jeu et jouer notre top 1 qui fait extrêmement plaisir. C'est parti, let's go prendre un petit peu de hauteur. Regardez un petit peu autour de nous tout ce qui se passe. On va y aller doucement. Parce que là, du coup, il y a vraiment quelque chose à jouer. Il y a peut-être un 15, peut-être 15, peut-être 17 kills à jouer. Juste sur la bordure, histoire de pouvoir me déposer. Wow, 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 wow. Monsieur, non, s'il vous plaît, on s'arrête de déconner. Si... Putain, mais c'est insane. Avec ces boules de neige là. Tac, 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 ok. Ouf. Et encore du full shield. Bordel. 13 kills, top 9. 13 kills, celle-là,
et Good de chez Good de chez Good. Je vais pouvoir prendre les explos. On est très bien. Les bandages ici. Oh, pardon, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Et du coup, niveau ressources, on commence à être extrêmement bien. Les tirs au snipe qui rentrent pas. Il va falloir vraiment, vraiment que je fasse un effort sur le bullet drop. Merci, bordel. Le headshot qui finit par rentrer. 14 kills, les amis, c'est énorme. 14K. Ça fait plus d'un dixième du serveur. Peut-être aller récupérer le largage. Il y a deux largages sur l'eau. What the fuck? Deux petits largages sur l'eau. Ceux-là, je pourrais pas les récupérer. Mais par contre, je peux me permettre de construire peut-être sur le stack qui est en train d'arriver là, juste à côté de l'arbre. Je voulais mettre mon escalier, mais le loot arrive. Un lance-roquette en or, for fuck's sake. 23 munitions de lance-roquette, ça va péter, les amis. Je viens de me coincer. Ok, c'est bon. Nickel, ça fonctionne. Hop. Attention. C'est bon là, ce qui vient de rentrer, c'est magnifique. Ce qui vient de se passer, ce qu'il a pris dans la tête, le mec, c'est énorme. C'était tellement énervé. Ouais, du coup, je vais pouvoir remonter dans ma tour, je suis content. 15 frags, les gars. 15 frags, c'est énorme. Ah, je suis content. On va continuer à build, let's go. On va continuer à build, let's go. Hop, on va continuer à build, let's go. Top 4. Il en reste 3 en vie. C'est mon top 1, celui-là. Juste monter encore peut-être d'un cran. Ok, nickel. Parce que du coup, là, je suis au-dessus. Ça va, on est bien, on est bien. Ok. Ok, ok, ok. Là, j'ai visibilité sur tout, absolument tout. I am good to go. Tiens, petit ennemi là-bas. Et ça prend dans le sapin, alors que pour une fois, elle était belle dessus. Putain, j'arrive pas à les rentrer, mes tirs au sniper. Là, ça devrait être bon. J'ai la meilleure place du monde. Je suis extrêmement bien. Peut-être quand même dégager les arbres un petit peu après parce qu'ils vont m'empêcher de bien voir correctement. Alors, je vais déjà une fois m'occuper de celui-là. Savoir s'il y a quelqu'un derrière ou pas. Ok. De toute façon, j'ai 20 roquettes là. Je peux y aller. Hein. Non, personne. Ok, nickel. Impeccable. Messieurs, bonjour. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh. Au niveau de l'arbre là-bas. Là, il a bougé. Je sais même pas si je l'ai touché. Il faut que je bouge. Non, non, non. Alors là, ce que je viens de faire. Alors là, ce que je viens de faire, c'est absolument nul à chier. Je viens de me ruiner une game à 15 kills en tombant parce que j'ai sauté sur un coin de la tour au lieu de sauter sur un côté et j'ai pas réussi à build. Oh, je suis tellement dégoûté. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule en commentaire. Oh non. Oh, la fin nulle. Je les avais, il en restait deux, un dans l'eau et un juste devant moi. Je pouvais tout faire, c'était mon top 1, je l'avais, c'était sûr et certain. Putain les gars, merde, je suis désolé, je m'excuse d'avoir foiré lamentablement comme ça. J'espère que vous êtes tapé une barre, en tout cas moi je suis. Un mélange entre triste, dégoûté, j'ai envie de me coller une balle et en même temps ça me fait ultra rigoler parce que c'est des trucs qui arrivent vraiment pas souvent. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ce fail totalement épique. J'espère que la vidéo vous plaira parce que le gameplay était absolument lourdissime. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette chute complètement ridicule dans les commentaires. Les amis, c'était White, je vous laisse. Rendez-vous ce soir et demain pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau live. Ciao tout le monde. Peace.